Bonjour à tous, aujourd'hui on vous propose les tortilles burgers, c'est comme ça que ma fille elle les appelle. C'est une recette que j'ai vue sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas c'était chez qui en fait. Mais je pense que c'était sur une Marocaine qui avait fait ça, mais j'ai oublié son nom. Donc voilà, c'est une recette très simple, facile à faire. Il vous faudra suivez la vidéo pour faire la recette. C'est de la viande hachée, moi j'ai pris 500 g de viande hachée. J'ai mis 4 gousses d'ail, j'ai mincé une grosse oignon, j'ai mis des poivrons, j'ai mis du sel, du poivre, du paprika, curry, cumin, curcuma, tout ce qui va avec la viande. Donc là, on va venir dorer les tortillas. Il faudra les dorer, c'est mieux, sinon passez-les sur le grill. Hein. Si vous avez une grille tortilla, vous le faites, un grill burger. Et dans un autre bol, on va faire monter des œufs en omelette. On va faire une omelette. Rajoutez les épices que vous aimez dans l'omelette. Moi, tous les épices que j'ai mis dans la viande, j'ai mis dans l'omelette. Et je regrette beaucoup. Il fallait pas que je fasse ça, en fait. Mais bon. Donc là, j'ai doré les tortillas. Ce qu'on va faire, quand on va dorer les tortillas, on va les poser de côté. On va faire l'omelette. On va prendre une galette, on va poser dessus l'omelette, on va le retourner et poser encore une autre galette sur l'autre côté. Voilà. Le fromage, la viande et tout ce qui va avec doit être à l'intérieur et les deux galettes à l'extérieur. Ben, c'est pour ça que ma fille les a appelées les tortilles burgers. Donc voilà, ça c'est tous les épices que j'ai mis dans l'omelette. Et comme je vous ai dit, il fallait pas. Parce que ça avait le même goût que la viande, donc ça ne changeait pas grand-chose. Vous pouvez rajouter des tomates, du maïs aussi dans l'omelette. Ça passe aussi. Donc comme je vous ai dit, il faudra griller d'abord les galettes, ensuite les mettre de côté, faire la viande, les mettre de côté, faire l'omelette. Et dans l'omelette, on va venir poser la viande hachée dessus, le fromage. Si vous mettez des tomates, vous allez les mettre dessus. Donc voilà, il ne faut pas trop laisser sécher l'omelette, il faut mettre la viande pour que ça tient bien. Comme ça, la viande, elle va bien se lier avec les œufs. Donc voilà, voilà. Là, je vais rajouter de la gruyère râpée, mais désolé, mettez le fromage que vous aimez. Mais les petits carrés, la croque-monsieur, ça passe aussi. Ça, c'est une recette trop trop rapide à faire. Quand vous n'avez pas le temps, quand vous étiez en ville, que vous venez de rentrer, vous pouvez faire ça. Je sais que j'articule pas, mais bon. Ma poêle a fait les deux guerres, 14-18 et 18-35. Ne faites pas attention à ça. Moi, je garde tout, je jette rien. Donc voilà, nos tortilles burgers sont cuits. Il faudra les accompagner avec une bonne salade. Voilà, bisous, bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, 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 liker aussi. Et ensuite, je vais faire une vidéo spéciale YouTube. Je vais vous parler un petit peu de YouTube, de tout ce qui se passe, de toutes les erreurs que j'ai faites, parce que moi, je ne savais pas en fait. Moi, je partage ma passion, filage, je le partage comme ça pour le plaisir. Mais là, on vient de me dire des choses. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. On va parler de YouTube, des sous et de tout ce qui va avec YouTube. Allez, bisous, bisous!